Et bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Resident Evil 4, plongez-vous dans le noir, 4K, 60 FPS, un petit truc à boire et à manger, Spinel x8 pour le chien méchant, ça c'est quand même plutôt incroyable. Installez-vous, on va passer un bon moment ensemble, surtout n'oubliez pas le j'aime s'il vous plaît, ça fait grave plaisir, ça soutient de fou, vous vous en rendez pas compte, ça vous demande quelques secondes, mais ça me prouve que vous êtes là la famille, et n'oubliez pas aussi le commentaire parce que ça fait plaisir aussi, évidemment, de fou, comme on dit dans le milieu. Alors, j'ai lunettes, viseur laser, on va pas encore l'utiliser, par contre ça c'est plutôt cool, caméra, j'ai oublié de checker. Et bracelet élégant. Ouais bon, allez, y a pas grand chose à vendre. Par contre, j'avais dit que j'achèterais le lance-carreau, les gars, hein, pendant qu'il y a l'offre. Ah non, y a plus l'offre. Essayer une nouvelle arme étrangère. Ça pourrait te sauver la vie. Ah, y a plus l'offre. On est d'accord, y a plus l'offre. C'est ça. On verra plus tard. Écoutez, on verra plus tard. Je sais qu'il est grave pratique, mais on verra. On a le time. Allez, Ashley, viens ma petite bibiche. On est parti pour la suite, c'est parti pour le show. Et c'est parti, évidemment, le stade. Et ciao! On devait aller par où? On devait aller loin. Ok, très bien. Donc, c'est sur la droite. C'était sur la droite. D'ailleurs, on entend un villageois, excusez-moi. J'ai une petite remontée, j'avoue que j'ai mangé une petite salade avant de lancer ce record. Je me suis mis bien, je vous dis de vous mettre bien, donc je fais pareil, hein, vous l'aurez compris. Ashley. Ashley, baisse-toi. Ashley, baisse-toi, ça partit en couille. Il est mort. Ça va, Ashley, tout va bien? Ok. Putain, mais c'est quoi leur incantation? C'est trop bien. Ouais, j'ai vraiment dit, c'est trop bien. Micro-cascade. Ok, y'a plus rien. Regardez. Hop, il a pris. Il est très énervé, je peux comprendre, il est mort. Ok. Bien joué, sa belle esquive. Mais comment ça, mes godasses? Oh. Voilà, c'était sûr. Ok. On va apprendre à les dompter, ceux-là. Ok, 3 balles. 3 balles, je rappelle qu'il est amélioré presque à fond, hein, mon pistolet, hein, pour le coup. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ashley, arrête. Tout va bien se passer, Bibiche. Tu sais que t'es avec moi. On est tous ensemble. C'est le grand jour. La Français debout. Ok, là, y a rien. Et là, y a rien. Ok. Ashley, tu restes dehors? Allez, viens. On se casse. On se casse comme Patricia casse. Let's go. Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe par ici? C'est pas possible, je vais me réveiller. Ashley, t'inquiète pas, je suis là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un man pas très loin, non? Je suis là, mais... Attendez. Ok, c'est bon. Éloigne-toi, Bichette. Reste près de moi. Reste à distance. Ça marche. Voilà. On commence à me casser les couilles. Mort. Ok. Lui, il allait muter, lui, je vous le dis. Ok. Chouette. Oh. Recule, bibiche. Tout va bien se passer. Ah, oh, c'est bon, il se transforme pas. Ça va, toi? Ok. Oh, bah non, j'ai rien mis. Alors,
Ok. Suivant. Très bien. Fais gaffe, Ashley. On y va. Attends. J'allais pas partir bien loin. Ok. Oh putain, mais c'est pas vrai. Voilà, faites attention. Où vous traînez. Ok. On est bon. Alors, les amis, ici on a un petit hôtel, j'adore les hôtels. On va y aller évidemment. On va aller ramasser tout ce qu'on peut trouver ici. C'est quoi ça? C'est un taureau? Ok. Je touche le mec de derrière en même temps. Oh! Pourquoi je pouvais plus reculer? C'est normal, tout va bien. Tout va bien. Oh non, non! C'est bon. Alors, merci pour l'émeraude, ça fait plaisir. Ok. J'avance, comme on dit dans le milieu, j'avance en parmesan. On ne sait pas de quoi ils sont capables, mais ils ont l'air très têtus. Ok, il y a toujours un petit cochon. Et what a cochon, certains diront, c'est par ici. C'est par ici la sortie. Let's go. Allez, régalez-moi s'il vous plaît. Régalez-moi, je n'attends que ça. Une pipe ancienne. J'ai déjà vécu ça. Alors. Sertir. On peut faire ça, par exemple. Et on peut totalement faire ça. Voilà. Qu'en pensez-vous? Ça vaut le coup ou pas? 17 000 la certification. Là, qu'est-ce qu'on a? On sait jamais, sur un malentendu, peut-être un truc à ouvrir derrière, un trésor dans un trésor. Mais si je le vends sans vérifier, tu vois... Ok. Ok, y a rien. Et la pipe? Bon, la pipe, on l'avait déjà vue, c'est une belle pipe. Encore une fois... C'est une très belle pipe. Là-bas, y'avait plus rien. Là-bas, y'avait plus rien. Ici, y'avait plus rien. Ici, y'avait plus rien. Très bien. Ok. On est d'accord qu'il y a des tonneaux qu'ils ont pop entre temps, hein. Je suis pas fou. Hein. Très bien. Écoutez, on peut partir. Attendez. Ah, oh! Bonsoir. C'est nouveau ça, ça vient de sortir. Ah, tu t'es installé là, bibiche. Ok! Hop, on est bon. On peut lui vendre 2-3 trucs. En vrai de vrai, on peut lui vendre 2-3 trucs. J'ai plein de choses intéressantes. On peut lui vendre une petite pipe. Voilà, ça fait toujours plaisir. On peut lui vendre un appareil photo. Et on peut lui vendre le bracelet qui est très très bien serti, si je puis me permettre. Ça fait pas mal d'argent. Je suis prêt à payer un bon prix pour ça. Formule grenade aveuglante. Putain, ça a l'air de valoir le coup, ça. Tu sais, l'information a un prix. Ok. Ok, Rennes 9, il est déjà au max, incroyable. Le pont, il y a encore des trucs à faire. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Ça t'épate, hein? Ouah, en vrai, ça me paraît pas dégueu. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Et voilà. Ça a l'air pas dégueu tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça me plaît bien. Allez, c'est parti. Je rappelle qu'il y a le demi-tour rapide comme ça. C'est à l'ancienne, hein. Il suffit d'appuyer sur R1, hop, et se retourner très vite. Mais j'avoue, j'utilise pas trop. Parce que voilà, c'est tout aussi fluide faire un petit coup de stick. C'est quasi tout autant rapide. Oh putain, je me souviens de cet endroit. Ok. Je me souviens parfaitement de cet endroit. Ça risque d'être chaud.
Hey, je vois que t'as retrouvé ta señorita. La señorita a un prénom et c'est Ashley. Et vous êtes? Moi, c'est Luis. Encantado. Super. Les présentations sont faites. Alors, qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fous ici? Très bonne question, malheureusement. Cache-toi, vite. Dans ce cas... aide-moi. Ashley, dépêche-toi. Par ici. Allez. Ok. Prêt pour l'action? Ok. Planche de bois, ça me plaît. Hop, on est bon. Si ça suffisait pas, y'a que des monstres en face. T'as fini de t'échauffer? Et c'est tiré en ce moment? Ouais, il manque plus que tu la fermes, mais on est prêt. Détends-toi. Ok, pas mal. Comme ça, on va pouvoir protéger par ici. Attends, dégage pour voir. Ok, on est pas mal. Très bien. Ok. J'ai ramassé normalement tout ce qu'il fallait. Tu tombes bien. Viens m'aider. Okay. Attends, bouge ta race, Louis, la vie de ma mère, ça a pété. Bouge, Louis! Il s'en bat les couilles. Il est dans l'indifférence la plus totale. Ok. Mort. Non. Ok. Très bien. Ok. 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 Très bien ça. Oh, j'ai eu trop peur. Oh, oh, bah, 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 bah. Eh ben, écoutez, on peut utiliser ça, ça va. Oh là là. Regarde pas. Normalement, il explose directement. C'est normal. Ok. 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 Ok, ça c'est pour pas casser, c'est très bien. Ok. Pas mal. Merde. Oh, il vient d'où lui? Il vient d'où le rêve, Comas? Oh non. Oh putain, je croyais que c'était terminé, mais non. Ok. Bah, Biconio. Wow! Moi j'ai eu peur. Ah! Oh! Ok. Suivant. Essayez de monter. Ok.
Oh non! Quoi? Je peux pas. Occupé là. Hey, que vont penser nos invités? On les accueille avec le sourire, non? Enfin, avec des bastons, si c'est aussi bien. Ah! Oh! Oh! Non! Oh là là. Oh là là. Oh, vous êtes des bâtards. Ah. Ça s'arrête. Dû à quelque chose qu'on appelle Blaga. Ok. T'as vu ces gens, pas vrai? Bah toi, t'as la même chose dans ton corps. La même chose qui les a rendus comme ça. Ça, ce qui t'arrive, ces symptômes, eh ben c'est que le début. Je veux pas devenir comme eux. Quelque part, on peut dire que t'as de la chance. Tu vois, à ce stade précoce, parasite, la plaga. Il est encore possible de l'extraire par une opération chirurgicale. Il faut juste un peu de savoir-faire et aussi le bon matériel. Quoi, toi aussi? Vous en faites pas. Louis a un plan. Mais va falloir me faire confiance. Super, on est partenaires. Attends, pourquoi tu... Pas de temps pour les questions, l'heure tourne. Pourquoi tu nous aides? Eh bien, ça m'aide à me sentir mieux. Restons-en là. Je vous recontacte plus tard. Chapitre terminé. Vous savez ce que ça veut dire, direction, normalement, le château. Et donc, on a fait un tiers du jeu. Vous l'aurez compris, évidemment. Let's go. Pour la suite, c'était pas évident. J'espère que j'ai ramassé. J'espère vraiment que j'ai ramassé ce que le mec avait laissé au sol. Ah, j'ai oublié de regarder le résumé du chapitre. My bad. Hey! T'as pas une clope? Bien sûr, ta marque préférée. Alors, où est l'ambre? Malheureusement, je l'ai pas sur moi, là. Et tu devrais plutôt me féliciter pour mon excellent travail. Parce que je me suis cassé le cul pour le planquer juste avant d'être capturé. Ce qui me vaut d'ailleurs d'être encore en vie. On était d'accord. On te faisait sortir d'ici en échange de l'ambre. Pas d'ambre, pas de protection, Louis. À cheval sur les détails, hein, Ada. Très bien. Je vais le chercher maintenant, ok?
Et j'ai aussi quelque chose d'autre à aller chercher. Ici Perchoir. Mauvaise nouvelle, Condor 1. Avec le temps qu'il fait, l'hélicoptère ne pourra pas se poser. Est-ce que tu peux attendre que ça se calme ? Négatif. Trop risqué. On va essayer de trouver un endroit plus sûr. Désolé. J'aimerais pouvoir faire plus. T'en fais pas pour ça. On rentrera à la nage s'il faut. Condor 1, terminé. Ah si, il faut s'en faire, les gars. Ok, on va faire le tour. Chapitre 6. Qu'est-ce qui va m'arriver ? Oh, faut pas. Rien de beau, biche. On va se tirer d'ici. Ouais, t'as raison. S'enfuir du village ! Rien de beau, bibiche. Là, on a eu la petite scène Louis et Ada. On savait pas qu'ils se connaissaient. Et on savait pas qu'Ada l'avait envoyé là. En tout cas, pas de cette manière-là. Donc, tout ça, c'est de la nouveauté. Hein. C'est de l'exclusivité live, hein, évidemment. Hein. Ok. Ça, on prend, évidemment. Parce que ça ralasse. Les gars, par contre, j'ai 12 balles pour faire la guerre. Je vais pas aller bien loin. Va falloir m'aider un petit peu plus. Hein. Ok, ça me plaît. J'ai très bien. Quelques nouveautés en stock. Tu as déjà croisé ces types avec des tentacules qui sortent de leur tête. Non seulement ils sont dangereux, mais en plus ils sont pénibles à tuer. Heureusement, ils ont un point faible. Ils ont horreur de la lumière vive, comme celle du soleil. C'est pourquoi on n'en voit jamais en journée. Bref, s'il te prend l'envie de te promener la nuit, je te conseille vivement de garder quelques grenades aveuglantes sur toi. Moi, j'en ai toujours une ou deux sous la main. Et si ça t'intéresse, tu peux même en fabriquer toi-même grâce à la formule que je vends. Viens y jeter un œil. Ouais, je vais venir y jeter un œil. Mais là, il y a des cartouches de pompe. Et je les ai vues. Voilà. Oh, elles étaient bien posées pour le coup. Hein. Elles étaient très très bien posées. Hein. D'ailleurs, en parlant de cartouches de pompe, est-ce que ce serait, par exemple, pas le moment de se faire un petit plaisir et se faire un petit surplus de cartouches, ainsi que pourquoi pas 30 munitions, ça me paraît être pas mal. Ok, regardez ce qu'on va faire. On va faire ça. On va faire ça. Le couteau toujours en bas à droite. Ça vient de sortir, c'est tout nouveau. Ça, ok, fabriqué ici. En vrai, ça, c'est tout ce qui est accessoire, on peut le mettre là. Ça, tout ce qui est soin, on peut les mettre là. Et tout ce qui est là... Ah ouais, putain, attendez, là, je réagis un peu... Voilà. On va pouvoir mettre toutes les cartouches ici. Et ça fait plaisir, la mif de fou. Tiens, même ça. Hop, je vois pas pourquoi ça aurait pas le droit. On est pas mal. Il n'y a pas de mal à se faire plaisir. Exactement, c'est ce que je me dis tout le temps. Alors, bienvenue. J'ai mis la main sur quelques raretés étrangères. Waouh, la crosse du Raid 9. On adore nos airs. Mais il y a aussi un gant, il y a aussi le masque. Un homme, tuer un cross, homme. Direct. Cross ton à la cross. Sera encore plus classe avec cross sa... à la Ricross, lance carreau. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la vie? Le choix est vite fait, là. Waouh. Les richesses que tu amasses te 32 000 si je le vends. Dans la tombe. Mais il n'y a pas d'offre. Ce que tu vois là, c'est tout ce que j'ai. Hein. Et ça, c'est pour racheter. Ok, ça m'embête de le dire, mais j'ai plus qu'un spinel. Reviens quand tu veux. Ça. Élément. Red 9, évidemment. Waouh, ça prend 4 places. Hein. C'est assez terrible hein, ce qui est en train de se passer là. Ok. Alors. Je fais des petites magouilles pour être tranquille. Ok. Ok, superbe. Déjà, on va aller dans le coffre, en vrai de vrai. Dans le coffre, on va y mettre... Ah, ça, je peux pas, ça sert à rien, super. Ah, non. Ok. Alors. Excusez-moi, je fais mes petites magouilles. Ok. Oh, ça, t'en auras pour ton argent, je te le garantis.
Être méticuleux jusque dans les moindres détails, c'est le secret. En quoi elle va pas te faire tuer, hein? 5000 balles, ça coûte très cher. Let's go. Ok, on est parti. Un peu de ferraille pour les braves. Oh, j'ai vu les balles, j'ai vu les balles. Oh, oh. C'est la première fois qu'on trouve des spinels, je crois. Les spinels, c'est un peu réservé au château, non? Ok. Une mission? C'est pour moi. Ceci est un ordre provenant directement de Lord Saddler. Transformez la zone au-delà de ce point en position défensive de sorte qu'aucun intrus ne puisse passer. Je suis prêt à accomplir tous les sacrifices pour la foi juste. Mes fidèles croyants, construisez-moi une forteresse imprenable. Faites en sorte que tout païen assez fou pour s'aventurer dans ce domaine paie ses péchés par le sang. Ok. Ok. On a de la compagnie. Suis-moi sans faire aucun bruit. Ok. Oh, vache. D'accord. Ok. Je vais essayer. Podéis correr, pero no os podéis esconder. Sé que estáis ahí. Oh, quoi? On passe au plan B. Ça s'arrête jamais. Embêtant. Très embêtant. Ok. Oh, c'est encore plus embêtant. Éloigne-toi. D'accord. Et t'es balèze, toi. Ok. C'est chaud de fou. C'est chaud de fou. Ashley, est-ce que ça va? Ouais, merci. Ok. Après l'émeraude, ça vaut le coup, hein. Mais c'est chaud de fou. Bien. Ça fait beaucoup de pesetas. Et ça me plaît. Ça fait des petits trésors aussi et ça me plaît. Oh là 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 là, diamant. Que des diamants. Ok. Ok. Oh. Mais non. Putain, je dois refaire tout le tour, j'ai le seum. J'ai le seum de fou. On est reparti. J'ai le seum de fou. I have a big seum. Éloigne-toi. Ok. Oh. Ok. Il va falloir maintenant faire absent. Attention, même en haut, évidemment. Quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. On est pas mal. On commence à se refaire petit à petit. Ok, ça prend. Oh, un peu d'herbe. Un peu d'herbe pour les braves. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? J'ai des carreaux, très bien. Oh putain, mais je suis un connard. Ok. Mais je suis un gentil connard. Ok. Très bien ça.
Très très bien ça. Eh ben écoutez, on va s'arrêter là les amis. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Je vous fais de gros bisous. Et on se retrouve pile poil ici lors de la prochaine épisode. À bientôt tout le monde. Bye bye.